mes ébénis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop trop bien puisque aujourd'hui on va à Disney avec mon petit frère et ma petite soeur. Mais je voulais quand même vous filmer rapidement un tuto coiffure. Donc là quand je vous dis rapidement c'est vraiment pour vous montrer que voilà, même avec un twist out, avec les cheveux un peu étirés, on peut faire des coiffures assez sophistiquées qui évitent d'avoir trop chaud, qui évite aussi le shrinkage puisque là clairement il va pleuvoir toute la journée. Donc voilà, une coiffure que je fais beaucoup en ce moment parce que quand j'ai les cheveux détachés et qu'il fait chaud c'est pas du tout possible, et là quand il pleut c'est aussi tout à fait adapté. C'est une coiffure qui est très très rapide à faire et voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça. Et aussi avant de partir je voulais vous parler de mes extensions de cils puisque j'ai pas pris le temps, je les ai faites samedi dernier, et c'est vrai que je vous en ai rapidement parlé mais j'ai pas pris le temps de vous expliquer pourquoi je les ai faites, comment ça se passe, etc. Donc je vais aussi profiter de ce matin pour vous en parler. Et donc aujourd'hui on est mardi. Donc cette coiffure généralement je la fais le mardi, mercredi, et ensuite le jeudi, vendredi j'ai une autre coiffure. Donc on va dire que samedi au moment où je coiffe mes cheveux au mardi, je vais les laisser en twist out sans forcément de structure, je vais peut-être les attacher en queue de cheval, etc. Et après le mardi, mercredi j'ai un style de coiffure et le jeudi, vendredi j'en ai un autre. Donc là c'est un petit peu ma routine coiffure depuis le mois de juin en fait, que je procède comme ça. Donc vous allez avoir besoin d'un headband comme ceci avec deux parties et de trois épingles plates. C'est tout. Donc là j'ai ma raie habituelle puisque je la fais toujours là. Donc là je vais juste les mettre en arrière. Je vais prendre le headband. Je vais le placer sur ma tête. Hop, comme ceci. C'est un headband que j'ai acheté chez Claire's. J'ai dû l'acheter 5€ je crois, ou 5 ou 6€. Hop, je vais les mettre comme ceci vers l'arrière. J'essaie de bien centrer tout ça. Et ensuite je vais avancer un petit peu de cheveux pour donner un petit peu de volume. C'est une coiffure que j'avais vue sur la chaîne de Malibu. Je vous en avais déjà parlé de sa chaîne dans ma FAQ, puisque j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Elle a les cheveux lisses, mais comme je vous avais dit dans la FAQ, on peut tout à fait adapter les tutos coiffures qu'elle fait à nos cheveux. Donc n'hésitez pas, parce que c'est une réelle source d'inspiration cette fille, j'adore ce qu'elle fait. Donc ensuite, on se retrouve avec les cheveux comme ceci, et on va travailler en trois sections. Donc on va commencer avec cette section-là. Vous prenez grossièrement, c'est pas... Là vraiment on est sur une coiffure rapide, pratique. Si vous êtes à la bourre, c'est vraiment la coiffure idéale. Donc on prend cette section là et on va la ramener au milieu de la tête. Voilà, à ce niveau là. Et on va maintenir avec une épingle plate. Voilà, comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend grossièrement une section. On va la croiser avec l'autre et on va la placer au milieu de la tête. Voilà. L'idée c'est pas non plus d'avoir une coiffure complètement plate, donc on va remonter un petit peu à ce niveau là. Vous avez vu que j'ai pas trop serré. Et ensuite on va travailler cette section là comme ceci, et je vais la remonter en fait pour cacher les épingles. Je vais faire un petit une petite boucle comme ceci. Et je vais placer la dernière épingle plate dans la boucle. Comme ça, ça permet aussi d'écarter les cheveux par la suite pour plus qu'on ne voit d'épingle. Et voilà. Donc après, s'il y a des petites mèches qui dépassent, c'est pas gênant. Je trouve que ça donne un petit style aussi. Et ensuite, moi j'ai toujours les petites mèches ici. Je trouve ça très très joli. Donc hop, on fait sortir quelques mèches. Et voilà! Là, je porte un haut Bershka. J'aurai un jean skinny Levi's, des Vans blanches, Vans à scratch. Et j'aurai mon sac à dos de chez Pinky. Le deuxième
deuxième point beauté que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, donc ce sont les extensions de cils. Je les ai faites samedi, donc il y a 4 jours maintenant. Donc qu'est-ce que sont des extensions de cils déjà? En fait, ça va être des faux cils, enfin des microfibres ou des cils en fait en soie qu'on va apposer, qu'on va coller sur nos cils naturels. Je les ai faites pour la première fois en avril dernier. C'était juste avant le mariage d'une amie. Je me suis dit que ça guérirait un petit peu mon visage, ça changerait, enfin ça apporterait quelque chose au maquillage. Ça faisait déjà un an que j'y pensais, mais voilà, je me posais énormément de questions, à savoir est-ce que c'est pas dangereux pour mes cils, est-ce que je vais pas les perdre, combien de temps ça dure, est-ce que c'est pas trop cher. Enfin voilà, il y avait plein de choses, plein de questions que je me posais. Et en fait, j'ai commencé à suivre sur Instagram différentes filles qui proposait des extensions de cils, et donc là de plus en plus je me suis intéressée, je me suis dit bon, je vais quand même tester parce que je trouve ça vraiment super joli. Et j'ai pensé notamment à une blogueuse que je suis qui s'appelle Diwi Ninon qui en a fait, et j'ai trouvé ça vraiment super joli. Après elle a fait un volume russe, donc c'était vraiment très chargé, mais sachant qu'elle à la base elle a des longs cils, c'était pas choquant. Moi qui ai des très petits cils, je me suis dit je vais partir sur quelque chose d'assez discret, d'assez simple, pour pas me retrouver avec des trucs, des papillons au niveau des yeux, un truc beaucoup trop chargé. Donc voilà, je suis partie sur quelque chose de sobre, et donc j'ai contacté Bébé Cils. Je vais vous mettre ses coordonnées juste ici, et enfin je vais vous mettre son Instagram juste ici et ses coordonnées en barre d'infos. En fait je l'ai contacté via une collègue qui est très friande de toutes ces petits tips beauté, voilà, pour se faciliter la vie niveau maquillage, et elle me l'a chaudement recommandé. Je l'ai contactée, j'ai eu un rendez-vous très rapidement, non parce que j'étais disponible en cours de journée, donc là il n'y avait pas de souci pour trouver de la place. En fin de journée c'est un petit peu plus compliqué. Par rapport aux autres, au niveau prix, elle était quand même très, très abordable, savoir qu'elle est à la Plaine Saint-Denis. Donc là je m'adresse un petit peu plus à celles qui sont en région parisienne si vous souhaitez la contacter. Elle a un travail qui est très doux, elle est beaucoup à l'écoute de ce que vous voulez. Moi j'avais vraiment très peur la première fois j'y suis allée de me retrouver avec des trucs énormes au niveau des yeux. Donc après on va avoir différents styles d'extension de cils. On va avoir la pose naturelle, où là je crois que c'est un cil sur deux. En fait en gros on va poser une extension de cils sur nos cils naturels, mais sur un cil sur deux. Une pose complète, ça va être sur tous les cils. Une pose volume russe, ça va être plusieurs cils, plusieurs faux cils sur un cil. Et mixte, ça va être moitié volume russe et l'autre moitié pose complète. Donc là c'est ce que j'ai fait un mixte. Au niveau des prix, il faut savoir que ça va varier en fonction de la personne qui va vous le faire, mais il faut compter autour de 100€ par pose. Et après les retouches c'est un petit peu moins cher, ça va être autour des 50-60€ pour les retouches. Pour la durée de tenue, on va être sur du 3 à 5 semaines, à savoir que la durée de la tenue des faux cils va vraiment être conditionnée par l'entretien que vous allez faire. Après l'extension des cils, en fait, elle va vous donner une petite brosse qu'il faudra passer matin et soir, parce qu'il faut vraiment pas que les cils s'en mêlent. Parce qu'à partir de là, je me souviens que la première fois qu'elle me l'avait fait, j'avais un cil qui s'était retourné et qui me rentrait dans l'œil. C'était voilà, parce que j'avais pas bien brossé, je faisais pas tous les jours, j'avais dû le faire 2-3 jours. Au bout d'un moment, je m'étais dit non. C'est bon, mais en fait non, faut vraiment bien les brosser tout le temps, matin, enfin tous les jours, matin et soir. Les 3 premiers jours, il ne faut pas du tout mettre d'eau dessus. Donc c'est pour ça que j'avais fait la routine de mon visage en avance, puisque j'aurais pas pu en fait rincer mon visage correctement par la suite. Donc là, je vais avoir une autre façon de me laver le visage. Je vais utiliser une brosse en fait pour nettoyer l'ensemble de mon visage, pour bien nettoyer chacune des zones, et ensuite je vais utiliser une serviette mouillée pour rincer mon visage et aussi en profiter pour le dessous de mes yeux. Et par contre vous avez le droit d'utiliser de l'eau micellaire pour vous démaquiller, donc c'est là que je vais bien nettoyer mes yeux avec de l'eau micellaire. Après je crois qu'il y a 4-5 jours ou un petit peu plus, je sais plus exactement, on va dire une semaine, où vous ne pouvez pas faire de hammam ni de sauna, puisque forcément la chaleur va décoller les fossiles. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous tente, mais en tout cas si ça vous tente et que vous êtes sur la région parisienne, je vous recommande vraiment d'aller chez Bébé Cils. Elle est très douce, elle est vraiment à l'écoute, allez-y sereinement. Franchement, comme je vous le disais, moi j'étais très stressée quand j'y suis allée de me retrouver avec des trucs énormes au niveau des yeux. Et en fait, pas du tout. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur
l'entretien, des choses que j'aurais oublié de vous dire, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà. Donc moi je vais filer à Disney, je suis trop pressée, ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. On n'oublie pas le jeu concours, donc je vous laisse commenter et liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye.